Comme souvent, Eddie Jones a fait le show en conférence de presse, après la défaite historique de l'Australie contre les Fidji 22-15, dimanche en phase de poule de la Coupe du Monde. Eddie Jones, sélectionneur de l'Australie, après la défaite contre les Fidji 22-15, « Je suis déçu, évidemment. En début de match, on n'était que l'ombre de nous-mêmes. On n'a pas su répondre à l'intensité physique des Fidji. Félicitations à eux, ils méritent cette victoire. L'avantage en Coupe du Monde, c'est que rien n'est encore joué. Je me souviens que l'Afrique du Sud avait perdu un match avant de gagner la Coupe du Monde en 2019, défaite en poule contre la Nouvelle-Zélande, des choses surprenantes arrivent. On ne doit pas se cacher derrière les absences de Tani Latupu et Will Skelton, on doit pouvoir surmonter ça. Ils ne seront pas là non plus contre le pays de Galles. Carter Gordon. L'ouvreur australien, remplacé dès la 50e et jeune, il doit en passer par là, mais il va rebondir, c'est un bon joueur. Sur sa sélection très jeune, je n'ai aucun regret. On construit une équipe pour l'avenir et on traverse des secousses. Si c'est une erreur, j'en serai tenu responsable. Mais je suis prêt à en baver pour laisser à l'Australie une équipe capable de très bien se comporter en Coupe du Monde. Sur les sifflets du public, je mérite pire après ce soir. Ils devraient me jeter des baguettes et des croissants. David Porecki, capitaine de l'Australie, bravo aux Fidji pour cette performance de grande classe. Ils ont joué de la manière à laquelle on s'attendait. Ils ont des joueurs de classe mondiale dans leurs lignes arrières. Ils ont pris l'avantage dans tous les secteurs, sur les zones de ruck. À chaque fois qu'on mettait la pression, ils arrivaient à obtenir une pénalité et ils s'en sortaient. Il va falloir travailler le dessus pour la semaine prochaine. On enchaîne vite avec les Gallois. Il va falloir se remettre en selle et se mettre à fond dans ce match, ce qui va être facile car c'est un match de Coupe du Monde. On a un groupe de qualité. On s'est préparé pour gagner. On a réussi certains trucs mais c'est comme ça. On a hâte d'affronter le pays de Galles. James Swipe, pilier droit de l'Australie, ce qui n'a pas fonctionné? Je dirais le jeu au sol et notre discipline. Les Fidjiens ont été solides dans les rucks et ça a payé. On va travailler ça. On est très déçus. Dans le vestiaire après le match, on est resté calme et mesuré. On sait qu'un autre gros match nous attend contre le pays de Galles. On l'a eu mauvaise pendant une demi-heure, là ça va mieux.